Hey, salut les gens, c'est Sensu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série, sur un jeu rétro cette fois-ci, qui n'est, comme vous pouvez le constater, ni plus ni moins qu'un jeu Star Wars. Et il s'agit de Star Wars Rebellion, un jeu qui date de 1998. Et je pense qu'il s'agit du jeu auquel j'ai joué le plus pendant toute mon enfance. Ce jeu est un jeu stratégie. Et contrairement à l'habitude qu'on a des jeux stratégie où on contrôle divers petits personnages représentant nos troupes, ici on va juste se contenter de déplacer des images vers des planètes, des stations, des flottes adverses, pour donner des ordres et gérer des statistiques et tout ça. En fait, on a pratiquement que du statique, mais c'est extrêmement complexe et complet comme je vais pouvoir vous le montrer plus tard. Alors, sur ce jeu, en fait, dans l'histoire, ça se passe juste après la bataille de Yavin, et donc la destruction de l'étoile noire, et on peut, au choix, incarner soit l'Empire, soit les rebelles. Sachant que, quand on voit ici, on peut choisir notre mode de jeu. Donc sur une partie normale, quand on intègre l'Empire, on va devoir détruire le QG des rebelles et capturer Luke et Mon Mothma. A l'inverse, quand on incarne les rebelles, on va devoir capturer Coruscant et capturer l'Empereur et Dark Vador. Donc ça, c'est le premier mode de jeu qu'on peut avoir. Et il y a aussi le mode un peu plus simple, qui est la simple capture du QG. Donc là, du point de vue des rebelles, ça va être assez simple, puisque on va devoir capturer Coruscant, et Coruscant, on sait où elle est tout le temps, même depuis le début de la partie. A l'inverse, quand on va incarner l'Empire, il va falloir détruire le QG des rebelles. QG des rebelles qui est complètement déplaçable de leur part. C'est-à-dire que quand on est les rebelles, on peut déplacer notre QG pour le redéployer sur une nouvelle planète. Et ça rend la tâche extrêmement ardue de trouver le QG rebelle et de le détruire. Moi, je préfère avoir la totale, à savoir détruire le QG et capturer les deux héros. Donc je vais rester là-dessus. Juste dessus, on voit la taille de la galaxie dans laquelle on va commencer notre partie. Donc, à savoir que là, elle est toute petite et là, elle est grande. La taille de la galaxie, c'est ni plus ni moins que le nombre de planètes qui seront présentes en jeu, sur lesquelles on pourra créer des troupes, aussi bien d'un côté que de l'autre, quand on est les rebelles ou l'Empire, puisqu'on joue tous sur la même galaxie. Ce qui fait que l'idéal, c'est de capturer le plus de planètes à son adversaire. Alors moi, je vais mettre la galaxie au maximum, puisque je préfère ça. Et il y a d'autant plus de possibilités, il y a plus de challenges à trouver justement les différentes troupes adverses. Et enfin ici, on a la difficulté du jeu. Donc au début, on a novice, intermédiaire et expert. Donc je vais partir là aussi en expert pour le challenge. Et on a toutes nos options qui sont faites. Ici, on peut voir les crédits. Là, c'est le menu pour charger nos anciennes parties. Là, c'est pour quitter. Et là, c'est pour faire des duels en ligne. Donc, je pense que là, on peut le faire uniquement en LAN maintenant. Et sans plus tarder, moi, je vais partir en fait du côté de l'Empire puisque j'ai l'habitude de jouer avec eux. Allez, c'est parti. Je suis INP-22, droïde de protocole militaire, et voici SD-7, mon assistant. Les services de renseignement de l'Empire ont dressé pour vous un rapport sur l'état actuel de la galaxie. Cette carte montre le chaos qui sévit dans la galaxie. Bien des systèmes demeurent fidèles à l'Empire, mais beaucoup d'autres se sont ralliés aux rebelles depuis la destruction récente de l'étoile noire par l'ennemi.
Nos troupes maintiennent toutefois l'ordre sur plusieurs systèmes qui, sans doute, seraient passés aux mains de l'Alliance. Dans la bordure, de nombreux systèmes restent quasiment inexplorés. Les rebelles ont certainement l'intention d'y établir des bases secrètes pour reprendre la lutte. Voici Coruscant, le cœur de l'Empire. C'est là que se dresse le palais impérial. Nous savons que des fanatiques rebelles ont pour objectif de s'emparer de notre capitale. C'est le prix de leur victoire, mais sous votre excellent commandement, ils ne peuvent qu'échouer dans leur projet. Nous savons que l'étoile noire a été détruite près de la quatrième lune de la planète Yavin. Nous avons la confirmation qu'une base rebelle se trouve dans le barrage. Si vous le souhaitez, notre flotte peut rapidement l'éliminer. Nos services de renseignement assurent que l'ennemi battra en retraite. Nos espions nous informent que le quartier général des rebelles se trouve quelque part dans la bordure. Si nous pouvions le détruire, nous porterions un sérieux coup à la rébellion. Nos forces devraient sonder les zones lointaines de la galaxie pour dénicher ces maudits rebelles. À ce propos, nos services indiquent aussi que le quartier général ennemi peut être transféré d'un système à l'autre, selon le caprice des chefs de l'Alliance. La flotte impériale a été déployée afin de maintenir l'ordre dans le noyau de la galaxie. La flotte rebelle s'est dispersée après la bataille de Yavin. Nous avons déployé des troupes, des vaisseaux et des défenses supplémentaires dans chacun de ces systèmes. L'Empereur siège à Coruscant. Le Seigneur Vador se trouve depuis peu dans ce système. Nos services de renseignement indiquent que les rebelles prévoient de les capturer tous les deux. Bien entendu, ils ne réussiront jamais. L'Empire ne laissera jamais des événements aussi catastrophiques se produire. Pour écraser la rébellion, il faut d'abord éliminer ses chefs. La principale dirigeante de l'Alliance est Mon Mothma. Elle doit actuellement se cacher dans un bastion ennemi. Il faut la capturer. L'Empereur et le Seigneur Vador ont aussi ordonné l'arrestation de Luke Skywalker. Ils veulent l'obliger à succomber au côté obscur de la Force. Voilà, cet exposé est terminé. Les forces de l'Empire attendent vos ordres. Et voilà, donc, après ce long exposé de notre robot de protocole, on se retrouve sur le pont de notre vaisseau de commandement. Donc on est le commandant suprême des troupes impériales. Et le temps que je vais vous expliquer tout ça, je vais m'empresser de mettre le temps en très lent. Voilà, donc je reviendrai après sur l'interface là-dessus. Donc comme vous avez pu le constater, on a eu un petit topo de tout ce qui se passe dans la galaxie. À savoir que là, en fait, on voit en vert donc nos les planètes qui sont sous notre contrôle, donc les contrôles de l'Empire. Et en rouge, celles qui sont sous le contrôle de la rébellion. Celles qui sont bleues, ce sont des planètes neutres. Et ici, tout autour, ces petites croix blanches, en fait, ce sont des planètes inexplorées. Donc il va falloir qu'on aille voir si elles sont habitables ou pas. Et si elles sont habitables, elles vont devenir bleues. Si elles sont déjà rouges quand on les explore, ça veut dire qu'elles sont habitables et déjà sous l'emprise des rebelles. Donc, comme on peut voir ici, on a l'ensemble de la carte de la galaxie. Nos personnages, en fait, quand on fait un clic droit dessus, on peut voir... Oui, je veux te parler. On peut voir ce qu'ils peuvent faire, et donc on peut voir qu'on peut automatiser, en fait, des aménagements d'installation, la création de troupes ou de vaisseaux, enfin, tous ces trucs-là, c'est des automatisations, c'est-à-dire que c'est le robot qui va s'amuser à les gérer en fonction du nombre de ressources ici présentes qu'on a. On a plein d'options, de trucs qu'on peut regarder. Enfin, le plus important, là, à voir, c'est les objectifs. Hein. Donc, ça nous fait un petit récap sur ce qu'on a à faire et à protéger. Donc, là, vu que je suis en partie normale, je dois détruire le QG, défendre le mien, capturer deux héros et défendre mes deux héros. Et à chaque fois qu'on va faire un objectif, il va être marqué « Monde Mothma est capturé », « Le QG rebelle est détruit » ou « Coruscant n'est plus est à l'emprise des rebelles », ainsi de suite. Voilà, sachant que là, on peut lui demander de continuer à interpréter ce que va nous... On peut lui demander des conseils et tout ça, hein. Bon, ça c'est les aides de jeu. Et là, interpréter en fait, ça va être par rapport à ce petit droïde,
qui lui, on peut lui dire quelle notification il va faire. Donc par défaut, il va nous faire toutes les notifications. Dès qu'il va se passer quelque chose, en fait, il va nous dire ce qui se passe. Alors, vu que c'est un droïde un petit peu comme un R2-D2, il parle pas, et donc lui, il va nous interpréter ce qu'il nous dit. Donc je laisse l'interprète, je trouve ça marrant. Dans ce truc-là, moi, j'ai pas besoin qu'il nous donne des conseils, puisque je m'en fiche un peu là-dessus, je les connais. Bon, le reste, je vais vous le laisser, comme ça peut être intéressant. En général, les ressources, je les enlève, mais bon. Donc, si on regarde ici, on a 6 écrans. Donc, ces écrans-là, quand je clique sur les uns derrière les autres, on voit en fait toutes les planètes connues de la galaxie. Donc, celles qui ne sont pas encore explorées ne sont pas considérées comme connues. Ce qui fait que les petites croix blanches, dès qu'on va les explorer, elles vont venir ici. Ah si, d'ailleurs, elles sont présentes, donc je dis des conneries. On les voit ici, les petites croix blanches. Après, là, on a le planète neutre, la liste des planètes neutres, la liste des planètes rebelles et la liste des planètes de l'Empire. Sachant que si on fait, mettons, je me mets sur Coruscant, je fais double clic sur Coruscant, il m'amène directement sur la planète Coruscant en m'ouvrant la fenêtre du système en question. Donc le système de Coruscant, c'est le système Siswena, qu'on peut voir ici, secteur Siswena. Et voilà, on voit toutes les planètes qui composent ce secteur, donc le même schéma qu'on a ici, en plus grand, avec plus d'informations. Donc on reviendra sur ces informations-là tout à l'heure. On était sur ces écrans-là. Donc là, c'est les planètes. Ici, c'est la liste, en fait, de toutes nos flottes. Donc là, c'est les flottes qui sont présentes en jeu qu'on connaît. Sachant qu'il y a aussi bien les flottes rebelles que de l'Empire. Ici, on voit les flottes connues rebelles. Ce qui fait que tant qu'on ne les a pas découvertes, en fait, on ne sait pas où elles sont. On ne sait même pas si elles existent. Et ici, on a les flottes de l'Empire. Forcément, on les connaît toutes puisqu'elles sont sous nos ordres. Les flottes, c'est cette icône-là. À partir du moment où on clique sur cette icône-là, on tombe sur les vaisseaux en particulier. Donc on sait qu'au sein de nos flottes, on a ces vaisseaux-là. Les rebelles, eux, ils ont ces vaisseaux-là au sein de leur unique flotte qu'on connaît. Leur flotte 1, en fait, est composée. Et là, pareil, donc du coup, est composée de 5 vaisseaux. Si on fait double-clic sur flotte 1, on va être amené à regarder leur flotte. Et donc là, on voit bien que dans la flotte 1, il y a l'ensemble de ces vaisseaux qui sont regroupés. Voilà. Tout ça, je cache, on verra après. Donc, liste des planètes, liste des vaisseaux, vous en doutez, là, ce sont la liste de nos troupes. Donc, on voit sur quelle planète ou flotte ils se situent, et on voit le type d'unité. Sachant que là, on n'a pas accès forcément à toutes les unités, puisqu'on n'a que les unités de base, mais pourtant, on voit l'ensemble des éléments ici, donc ce sont les Dark Troopers, forcément, les Dark Troopers, il va falloir faire de la recherche pour les développer. Pour l'instant, on ne les a pas. On a uniquement des régiments de l'armée, des régiments de la marine et des régiments de Stormtroopers. Donc on peut voir que sur Coruscant, il y a 6 régiments de Stormtroopers. Et en définissant tout le reste, on voit tous les autres, le nombre qui sont. Au même titre, sur les positions connues des rebelles, on voit qu'ils ont des régiments de la marine et de l'armée aussi. Donc sur Yavin, 4 régiments de l'armée, et 2 de la marine sur la flotte 1. Voilà pour les troupes. Ici, on peut voir nos héros. Donc si j'ouvre, je peux voir quels sont les héros. Donc là, on a le nom du héros et ici, le lieu sur lequel il se trouve. Après, quand on va leur donner des tâches, entre parenthèses, on aura la tâche qu'on leur a donnée. Ce qui fait que c'est toujours pratique de venir ici pour vérifier que tous nos personnages principaux ont une tâche. Puisque s'ils font rien, ils vont vous le dire, enfin s'ils ont fini une mission, ils vont vous le dire « j'ai fini ma mission ». Donc ça veut dire « donnez-moi une autre, sinon ils vont rien faire ». Et si on prend pas le réflexe de le faire aussitôt, on a toujours le moyen, en cliquant ici, de voir quel personnage est inactif, puisqu'il n'aura aucune tâche entre parenthèses. Et donc là on voit que aucun personnage n'a de tâche entre parenthèses, ils sont tous inactifs. Donc c'est pas intérêt d'avoir des héros et de pas s'en servir. Au même titre, on peut voir les héros rebelles et leur position connue. Donc là on sait qu'ils sont tous sur Yavin. Sachant que ils sont tous sur Yavin, au jour 5, enfin même avant, puisque là les jours ont défilé, mais sur le jour présent, ils étaient sur Yavin. À savoir que le temps qu'on envoie quelqu'un sur Yavin, c'est peut-être possible qu'ils n'y soient plus. Ils sont peut-être partis. Et donc à ce moment-là, quand on enverra quelqu'un sur Yavin, il va remettre à jour les informations qu'on a sur cette planète, et on va pouvoir se rendre compte que, à mon avis, Luke Skywalker, il a remarqué « position inconnue », puisqu'en fait, il était sur Yavin, mais maintenant, il n'y sera plus.
Voilà pour nos personnages. Donc ça, c'est nos héros. Et ici, on peut voir nos personnages qui ne sont ni des troupes, ni des héros. En fait, ce sont des unités spéciales que l'on peut créer, à l'inverse des héros qui sont uniques. Ces personnages-là, on peut les créer au même titre qu'on crée nos armées. Mais ils n'ont pas la faculté de faire des guerres et des assauts planétaires et tout ça. Nos héros, donc ici on voit que on a uniquement des commandos Nogri sur la planète Delaya. On a un commando Nogri. Donc ça c'est le commando Nogri. Ici on a des commandos tout simples, des droïdes d'espionnage et des droïdes sondes. Donc chaque personnage a des facultés qui lui sont propres, à savoir que les commandos pourront faire du sabotage d'installation, de troupes et tout ça. Enfin, du moment qu'ils peuvent détruire quelque chose, ils le feront. Les droïdes d'espionnage, vous vous en doutez, ils feront de l'espionnage. Les commandos Nogri, eux, vont permettre d'essayer de faire des missions d'assassinat ou des missions de capture contre des héros adverses. Donc uniquement vis-à-vis des héros. Et les droïdes sondes, en fait, vont nous permettre de faire un pseudo-espionnage, en fait, mais ils vont juste sonder le terrain pour voir ce qui se passe sur la planète. C'est-à-dire que les informations seront beaucoup moins précises que si on envoyait des droïdes d'espionnage. Voilà donc pour les troupes de l'Empire, sachant que les troupes spéciales rebelles ne sont pas du tout équivalentes. Enfin, elles sont équivalentes, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, ils ont des espions botans, des agents infiltrés, des membres de la guérilla et des unités d'exploration. Donc ces unités d'exploration sont au même titre que nos droïdes sondes, hein, ça va leur permettre de faire de la reconnaissance. Les troupes de guérilla, elles, vont pouvoir inciter les systèmes qui nous appartiennent à entrer en insurrection. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément nous de notre côté, en tant que membre de l'Empire. Les agents infiltrés vont pouvoir à la fois faire du sabotage et des tentatives d'assassinat et de capture sur nos héros. Donc leurs agents infiltrés sont un mix en fait de nos commandos et commandos Nogri. Donc nous, pour une mission en particulier, en fait, on a deux unités différentes. Eux, ils ont une seule unité et donc ils sont avantagés vis-à-vis de cette unité-là. Et enfin, eux, ils ont leurs espions botans, donc au même titre que notre droïde d'espionnage, ils peuvent espionner nos planètes. Voilà pour les troupes spéciales. Ici sur ce dernier écran, ce qui est assez cool dans ce jeu en fait, c'est qu'on a une encyclopédie qui est intégrée, et donc là c'est trié par ordre alphabétique forcément. Après là on a toutes les planètes, tous les vaisseaux, toutes les installations, toutes les possibilités d'action de nos héros, toutes les troupes et tous les héros. Donc on prend Akbar, double clic dessus, et on a un petit speech qui nous explique en gros qui est Akbar, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Donc c'est toujours sympa de se rendre compte de ces trucs-là. Et voilà, ça fait un petit historique, une petite encyclopédie sympa. Sur ce bouton, j'y reviendrai après vous avoir expliqué l'interface en jeu. Ici, enfin dans l'écran. Puisqu'en fin de compte, elle interagit sur tout ce qui se passe à l'écran. Si on prend ici, en fait, ça va être toute cette colonne-là, ça va être une liste de raccourcis, admettons. Donc si je reviens sur Coruscant, admettons, je vais voir ce qui se passe sur Coruscant. Donc là, je vois qu'il y a l'Empereur qui est sur Coruscant, évidemment. Étant donné qu'on a quand même un maximum de secteurs sous la main, et comme vous pouvez le voir, je peux en ouvrir que deux à la fois, par moment, on se retrouve vite avec des fenêtres qui se superposent les unes sur les autres, et ça devient vite le gros bordel. Ce qui fait que cette colonne-là de raccourcis est intéressante, puisque en appuyant sur le petit trait ici, ça va nous lister, en fait, les différentes zones qu'on veut avoir sous la main rapidement, donc sans avoir à ouvrir tous les secteurs en question. On a juste à faire un double clic, ça nous réouvre Coruscant, on fait nos manips, on est d'accord, on est bien content de ce qui se passe, et on referme, ce qui fait qu'on va pouvoir renvoyer plein de trucs ici. Là c'est la zone d'option, donc ici nos sauvegardes, là c'est ma sauvegarde de décrassage parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, du coup j'ai rejoué un petit peu. Là les différents niveaux de la musique et tous les affichages qu'on pourrait avoir sont présents ici. Du coup bon là quitter, revenir au menu principal et revenir sur notre passerelle classique. Voilà pour ce bouton.
Ici, on a nos différentes ressources. Donc là, ce sont nos ressources minières, nos ressources en gaz. Et là, nos... comment ils appellent ça? Nos moniteurs de maintenance, d'accord. En fait, ce sera nos éléments de création de tout type de choses, en fait. Tout va se baser là-dessus. Et c'est géré avec une moyenne, en fait, des mines et du gaz. Donc ça reste à titre indicatif, ces deux-là. Nous, ce qui va vraiment faire attention, c'est à rester dans le positif là-dessus, parce que si on tombe dans le négatif, ça veut dire qu'il va y avoir des négligences dans la maintenance, et que certaines de nos installations ou de nos troupes ne pourront plus être entretenues, et il y a de fortes chances que, suite à des défauts de maintenance, elles explosent. Donc, c'est assez fâcheux de toujours se retrouver avec des trucs qui explosent, donc quand c'est une simple petite mine, bon, c'est pas si grave, par contre, quand c'est un Super Star Destroyer qui explose par défaut de maintenance, tout de suite, ça devient plus grave. Et là, on peut voir ici, donc notre compteur de temps, faisant clic droit, on peut voir qu'en fait le jeu en pause, en très lent, en lent, normal et rapide. Donc là, je me suis mis très lent parce que voilà, si on met le jeu en pause, on se retrouve avec ce grand écran et on ne peut rien faire réellement dans le jeu. Ce qui fait que quand on veut interagir, l'idéal c'est toujours passer en très lent, comme ça on fait toutes les options qu'on a à faire, tous les déplacements, les missions de nos troupes et compagnie. Et après, quand on n'a plus rien à faire, eh bien, on accélère le temps jusqu'à avoir de nouvelles instructions de nos troupes. Et on remet en lent pour leur faire de nouveau les choses. Ici, on va avoir toute la colonne des informations qui vont nous être envoyées. Donc là, tout est en presque noir. En fait, c'est qu'on n'a aucune news, puisqu'on n'a rien fait pour l'instant. Donc personne ne nous dit que oh, j'ai recruté tel mec, oh, j'ai construit tel vaisseau. Donc c'est ici que ça va se passer, et on va le voir suivant les différentes catégories. Pour ce qui concerne, du coup, si on revient sur les différents secteurs. Donc là, si je clique, forcément, on voit en survol, on voit le nom des secteurs. Si je clique dessus, je rentre sur le secteur en question. Et donc, ça m'agrandit les petites planètes qu'on voyait jusqu'alors. Et ces petites planètes en question, on voit que ici, en fait, on a une petite icône pour dire qu'il y a une flotte qui est stationnée en orbite autour de cette planète. Donc là, c'est une flotte à moi, donc c'est cool. Par contre, si c'était une flotte adverse, en fait, elle entreprendrait un blocus autour de cette planète. Donc c'est toujours délicat d'avoir une flotte qui entreprend un blocus. Puisque tous les échanges de matières premières présentes sur cette planète ne pourront plus être effectués, et ça va réduire en fait les quantités qui sont disponibles. Temporairement, tant que la planète est sous blocus, forcément. Ces mêmes ressources, d'ailleurs, on peut les voir ici sur la partie orange. Donc là, on voit que j'ai deux mines en fait déployées sur une possibilité d'en avoir 5. Donc en fait, la totalité des 5, c'est cette partie-là, donc qui est en orange, et le nombre actif est de 2. Ça, si on veut s'en rendre compte plus précisément, on va cliquer ici sur tout ce qui est installation sur la planète. Donc double clic, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre et on constate si, comme vous voyez, l'icône de la mine ici, si l'icône ici également, la mine de gaz, c'est celle-ci aussi. Donc si on clique sur la mine, on voit bien que j'ai deux mines qui occupent deux emplacements. Donc à la base, si je démolis ces deux mines, dessous on voit ces tas justement de ressources qui vont être posées ici. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais créer une mine, ça va remplacer ce tas de ressources par un icône de mine. Et je vais avoir un petit carré jaune qui va s'augmenter ici. De même pour les raffineries. Les raffineries, c'est l'intérêt, contrairement aux mines, où on ne pourra pas en construire au-delà du nombre de ressources disponibles. Les raffineries, on peut en construire autant qu'on veut. Il n'y a pas besoin de ressources disponibles pour les faire, puisque elles ne font qu'exploiter en fait l'atmosphère de la planète en question. Donc on peut en construire autant qu'on veut. On peut en construire autant qu'on veut, mais pas tellement en vrai, puisque on peut voir ici, sur cette zone, cette bande blanche, la consommation d'énergie. Donc là, je suis à 12 sur 12, c'est-à-dire que je peux construire au maximum 12 installations. Donc là, je vois que la planète Coruscant est au maximum de ses capacités d'installation. Ce qui fait que si on compte bien, j'ai déjà 2 mines. Là, j'ai 6 raffineries. Je me retrouve avec 2 chantiers de construction, un camp d'entraînement, un chantier naval, et tout ça additionné m'amène à 12 installations, ce qui fait que je ne peux plus en créer d'autres. Ici, on a un récap de nos différentes installations, plutôt que de... Là, ça, en fait, c'est pour voir combien il y en a qui sont créées, hein. Et c'est toujours utile à savoir, admettons, si on veut supprimer des éléments, on peut venir le démolir ici.
Par contre, quand il va s'agir de créer des choses, ça va être sur cette partie-là que ça se passe. Avec un simple, ben on va commencer à regarder. Tiens, admettons, j'ouvre ma flotte 1. Je vois que j'ai un destroyer impérial dans cette flotte. Et ben je vais demander à ce qu'il y en ait un autre. Donc je fais un clic droit. Je clique sur destination. Je l'envoie sur la flotte 1. Donc ici, destination, flotte 1. Et je vais construire un nouveau destroyer impérial. Voilà. Dans la liste, hein, ici, j'ai toute ma liste de vaisseaux disponibles que je connais. Et voilà. Donc je vais créer un nouveau Star Destroyer. Ici, je vois qu'il va me coûter 112 de points de raffinerie et 71 de coûts de maintenance. Il va s'achever dans 448 jours, sachant que je suis au jour 9. Donc vous voyez qu'en fait, ça va vraiment être un jeu qui se déroule dans le temps de façon assez longue. C'est pour ça qu'à pouvoir accélérer le temps, c'est toujours sympa. Ici, je peux augmenter la quantité. Forcément, quand j'augmente la quantité, les ressources augmentent en conséquence. Et après, l'attente de déploiement, en fait, c'est parce que si je l'envoie sur une planète loin, donc là, en l'occurrence, la flotte 1 est déjà en orbite autour de Coruscant, ce qui fait que le déploiement équivaut à 0 jour. Hein, donc, une fois qu'il est construit, il va être déployé instantanément. Et donc là, je valide ou j'annule mon ordre. Sachant qu'à tout moment, je peux revenir dessus. Si je fais construire, je peux en rajouter un autre. Par contre, ici, on va avoir la barre de progression qui va s'afficher, donc la barre de construction. Hein. Donc autour 448, elle va être pratiquement remplie en jaune. Si je fais construire juste avant qu'il soit entièrement fini de construire et que j'augmente la quantité, il va tout me remettre à zéro, donc éviter de modifier la construction, le nombre de quantités, tout ça, une fois que la construction est lancée. C'est-à-dire que là, tant que le jour 10 n'est pas passé, ben, je sais qu'il va rien avoir eu le temps de construire, donc c'est pas grave, je peux revenir dessus. Au même titre, je peux facilement créer des troupes, donc même principe. Si je crée des troupes, on va faire le même principe, sur la flotte 1 destination, hop, on va construire. Et là, donc là, voilà, sur la construction, on voit les unités spéciales qui peuvent être construites, et les unités de l'armée. Donc moi je vais faire des régiments de la marine. Et là on se rend compte que sur la flotte, dans l'onglet du nombre de troupes embarquées, j'en ai déjà 3 sur 6. Donc là, je peux en avoir 6 au total, j'en ai déjà 3. Ici, il m'indique que je ne peux pas en construire, sous-entendu, la flotte est déjà à pleine capacité de charge de troupes. Là, vous allez me dire, mais je comprends pas, pourtant, t'es à 3 sur 6, tu devrais pouvoir en mettre 3 en plus. Bon, j'annule. Et en fait, il s'avère que quand on regarde bien le nombre de vaisseaux, si ici on fait un double clic, donc ça va nous déployer toute la flotte qu'on a ici, et là on va pouvoir voir indépendamment, au lieu de voir sur l'ensemble de la flotte, sur chaque vaisseau. Donc sur chaque vaisseau, on voit que ce vaisseau de ce destroyer peut embarquer City Fighter et 3 Stormtroopers. Ce qui fait que lui, bon, il est déjà bien rempli. Sachant qu'il y a déjà des gens qui sont là aussi, des héros, qui sont au poste de commandement et qu'on pourra après rendre vraiment des commandements. Donc lui, on sait qu'il est déjà à 3, donc les autres 3 seront là. Puisqu'il y en avait 6 en tout dans la flotte. Évidemment, le vaisseau n'étant pas encore construit, puisque je viens juste de donner l'ordre de la construction, on voit que derrière, il a un petit quadrillage. Ce qui fait que, bien entendu, tant que le vaisseau n'est pas construit, on peut rien stationner dedans. Ni chasseurs, ni troupes, ni héros. Donc, si je veux construire de nouvelles troupes, il va falloir que je demande à mes troupes déjà présentes, donc à savoir les Stormtroopers. Pour moi, les Stormtroopers, ils n'ont pas forcément grand-chose à faire dans une flotte, puisque ce sont de très fortes troupes, pour la détection d'adversaires, à savoir de toutes les unités, on peut aller voir en faisant un clic droit dans le statut. Et quand on regarde ces unités-là, on voit que bon, le coût de maintenance, forcément toutes les unités vont prendre chaque jour un coût de maintenance, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette partie-là. On voit leur force d'attaque, leur force de défense, leur résistance au bombardement, et ici, très important, leur niveau de détection. Donc là, le Stormtrooper a un niveau de détection de 25, ce qui est quand même juste énorme, comparé à plein d'autres troupes, c'est très difficile de trouver des troupes, même des troupes futures qu'on va devoir créer. Ça va être très difficile d'arriver à un tel niveau de détection. Ce qui fait que moi, les Stormtroopers, je préfère les stationner en garnison dans les planètes, puisque si jamais il y a des rebelles qui viennent faire des missions d'espionnage ou de sabotage, le nombre de points de détection va permettre de pouvoir déjouer leur mission et de les repérer. Donc, je fais un glisser sur la planète, et quand on vérifie, je vais le ramener là. Quand on vérifie sur la planète Coruscant, j'avais le raccourci, c'est vrai. Les Stormtroopers ont été déployés avec d'autres Stormtroopers qui étaient déjà présents.
Ce qui fait que là, j'ai 9 régiments de Stormtroopers en faction sur Coruscant. En garnison sur Coruscant. Et donc là, ça m'a libéré des emplacements et je vais pouvoir créer des régiments de la marine. Puisqu'ils sont plus intéressants à avoir dans. Justement dans une flotte. Donc je peux en créer 3, bien sûr. Au-delà, il peut plus en créer. Voilà. Donc, je vais créer les 3. Pour la construction, qui se passe ici. Comme je vous ai dit, ici, je suis déjà à 12 sur 12. Donc je vais rien pouvoir construire sur Coruscant. Par contre, je vais pouvoir construire des choses sur les autres planètes qui sont à côté. Donc on voit la seule planète verte qui m'appartient à proximité, c'est la planète Chandrila. Chandrila, est-ce qu'elle a déjà... Elle a déjà des trucs pour faire de la construction. Donc là, on se retrouve quand même avec des planètes multiples, on va dire, qui ont des chantiers assez similaires. Donc dans un premier temps, je vais garder tous les chantiers qui sont déjà présents, parce que ça prend quand même du temps à construire. Mais je vous conseille fortement de spécifier vos planètes. À savoir que, admettons, Coruscant, il y a déjà 2 chantiers de construction. J'aurais tendance à démolir le chantier naval et le régiment de... le camp d'entraînement de troupes pour pouvoir spécialiser Coruscant dans la construction et mettre davantage de chantiers de construction. Parce que plus il y a de chantiers de construction, plus la barre de chargement va vite. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant. Et ce qui fait que je ferai de Chandrila certainement une planète dédiée à l'entraînement des troupes. Bon, pour l'instant, on commence juste la partie. Je vais faire en sorte de ne pas forcément spécialiser tout de suite. Même si, vu que je suis sur Coruscant qui est déjà saturé, je vais déjà d'ailleurs commencer donc en destinant Chandrila comme construction. Je vais mettre des camps d'entraînement puisque j'ai dit que j'allais les spécifier là-dessus. Au-delà de ça, je voudrais vérifier les défenses qui sont présentes sur Chandrila. Puisque c'est toujours important d'avoir des défenses. Donc ici, en défense, en batterie d'attaque planétaire, on voit qu'on a un canon à ion. Et là, en défense, donc des boucliers planétaires, on n'en a pas. Ce qui fait que j'aimerais bien avoir un bouclier. Donc je vais me garder un emplacement dans la construction depuis Coruscant. Je vais me garder un emplacement destiné à faire la construction de boucliers. Donc j'augmente au maximum les camps d'entraînement. Donc je peux en faire 3 maximum, ce qui fait que j'en garde un emplacement pour le bouclier, j'en fais que 2. Voilà, et donc là comme on peut voir ici, il me reste un emplacement que je vais dédier à la construction de mon bouclier. Donc les chantiers sur Coruscant sont tous mis en marche, donc ça c'est très bien. Je peux ne plus m'occuper de Coruscant. Et je vais passer sur Chandrila, donc qui peut construire du coup, je vais lancer directement le niveau de bouclier. Par défaut, vous voyez que la destination est sur la planète sur laquelle se trouve le chantier. Donc je vais pas lui dire de rester sur celui-là. C'est par défaut. Sur Chandrila, on n'a aucune troupe. Je vais commencer à me créer des espions, parce que en début de partie, c'est toujours bien de pouvoir espionner. Je vais m'en faire 6, parce que c'est comme ça, je vais pouvoir en faire un maximum. Voilà, donc là, les chantiers sur Chandrila sont déjà bien occupés aussi. La planète est entièrement remplie. Je me rends compte que j'ai des héros. J'avais vu qu'il y en avait aussi sur Coruscant dans la flotte. Et l'Empereur qui est toujours présent en début de partie sur Coruscant. L'Empereur, au même titre que Dark Vador, au début, il n'y a pas à choisir. Vous l'envoyez en mission directement sur la planète où il est, faire du recrutement. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas tous les héros directement avec nous. Donc, l'impératif, faire du recrutement. On envoie nos personnages principaux faire du recrutement. Donc là, on voit les troupes que j'ai stationnées, très bien. On voit que ici, j'ai Virs. Donc Virs, je le connais très bien, Virs, quand on va dans les statues. Il peut, donc là, pour les héros, hein, on voit leur ici leur niveau de commandement, lui, il n'a aucun commandement, puisque je lui ai pas demandé d'être ni amiral, ni commandant, ni rien, donc ça c'est normal. Où c'est qu'il se situe? Donc là, ben voilà, il est rattaché au Super Destroyer. Quel est son statut? Ben là, il fait rien, donc il est en attente d'ordre. Pouvoir, ça c'est destiné à savoir si ces personnages-là ont la force qui est déclarée en eux. À savoir que lui, Virs, n'est pas ni un Sith, ni un Jedi, ni rien, donc pour lui, il n'a aucun pouvoir. On voit après leur niveau de diplomatie, donc ça va pouvoir être pour... convaincre des planètes de nous rejoindre ou les convaincre de ne pas forcément rejoindre l'adversaire. Donc leur mettre des bâtons dans les roues, hein, aux adversaires. L'espionnage, donc forcément faire de l'espionnage sur une planète adverse. Leur niveau de combat, donc quand on va les envoyer faire de la destruction ou de la capture ou de l'assassinat d'ennemis.
Et leur niveau de charisme, en fait, c'est ce niveau-là qui va leur permettre de pouvoir contrer des insurrections sur des planètes. Donc lui, on voit qu'il a quand même pas mal de charisme. S'il y a une insurrection, on peut l'envoyer. Il pourra essayer de convaincre les gens que l'Empire est quelque chose de bien. Et après, en dessous, on voit là tout l'intérêt de ce personnage qui est Birs. On voit les compétences primordiales qu'il faut lancer dès le début de la partie. C'est, au même titre que le recrutement, c'est la recherche. Parce que la recherche, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles troupes et de nouveaux vaisseaux plus performants. Donc on voit que Virs, lui, n'est absolument pas compétent dans la conception navale. Ok. Il n'est pas non plus compétent dans la recherche d'installation. Par contre, il est capable de faire de la recherche d'entraînement de troupes. Et ça, ça va être hyper intéressant. Enfin, dans les stats, on voit que il ne peut pas être amiral ni commandant. Par contre, on peut lui donner le rang de général quand il doit défendre une planète. Bon, là, en l'occurrence, si on l'envoie en mission, on peut pas lui donner à la fois un commandement, puisqu'un commandement, en fait, ça va être quand il va être en garnison. Lui, on va lui donner un rôle très actif, puisqu'il va devoir entraîner des troupes. Alors, sachant que lui se situe sur la flotte du Turcori Centre, et que j'ai décidé de spécialiser Chandrila dans la conception de troupes, là où je vais créer davantage de camps d'entraînement, je vais l'envoyer là où il y a le plus de camps d'entraînement. Donc je l'envoie en mission sur Chandrila, et par défaut, voilà, il me propose la recherche en formation de troupes, je suis ok là-dessus, je valide. Et là, on voit ici, sur Chandrila, qu'il y a un petit icône pour dire que j'ai une mission en cours sur cette planète. Donc si je fais double clic, je vois que Virs est actuellement en hyperespace, on voit derrière qu'il est parti, il est encore en voyage. Il est parti faire de la conception de troupes, vers la planète Chandrila. Donc si on fait un clic, statut, on peut voir qu'il va arriver pour faire sa mission pour le jour 22. Donc il va pas mettre très très longtemps à y aller, mais voilà, on sait que pour l'instant il est en voyage, donc il va pas pouvoir faire grand chose. Sachant qu'une troupe en voyage, je peux pas lui demander de revenir, il est complètement bloqué, et tant qu'il n'est pas arrivé à destination, je ne peux pas lui donner d'ordre. Donc c'est toujours faire attention où c'est qu'on envoie les troupes, parce que si on les envoie sur des planètes trop risquées, avec des ennemis, on peut plus leur dire de revenir en arrière, et ils vont forcément finir par y arriver, au risque de se faire tuer. Ici, j'ai Piet, qui est un très bon diplomate, donc lui je le connais bien, donc si on voit bien voir ça, voilà. Piet qui a 76 en niveau diplomatie, un très bon charisme encore, c'est pas un très bon combattant ni un très bon membre d'espionnage. Après, il peut faire aucune recherche, par contre il peut avoir tous les statuts de commandement. Mais lui il va passer pratiquement tout le temps de la partie à faire de la diplomatie. Diplomatie qu'on va voir en fait ici, la bande verte. Donc on voit que Coruscant est entièrement voué à l'Empire, contrairement à, admettons ici, Chandrila, on voit que sa petite étoile ici est moins forte que celle sur Coruscant, puisque là, cette étoile indique le niveau de loyauté. On voit que Chandrila a une petite partie quand même de l'opinion publique qui est orientée pour les rebelles, puisque le rouge c'est les rebelles, donc au même titre, quand vous voyez sur les planètes déjà qui sont rouges, vous voyez que les rebelles sont bien majoritaires sur l'Empire. Et eux, forcément, vont aussi faire des missions pour anéantir le peu de dissidents qui restent et rallier l'opinion publique à eux. Dans un premier temps, étant donné que j'ai déjà cette planète acquise à ma cause, je vais d'abord envoyer Piet sur les planètes neutres pour augmenter mon nombre de ressources disponibles. Donc je vais chercher la planète qui est la plus intéressante. Là, je vois qu'il n'y a aucune ressource sur Balmora. Lui, il a possibilité de construire des vaisseaux, donc ça m'intéresse déjà plus. Le camp d'entraînement, j'en ai déjà plein, ça m'intéresse pas plus que ça, la construction non plus. Et là, il n'y a rien du tout. Du coup, je pense que je vais l'envoyer sur Uvena, parce qu'il y a déjà un chantier de construction navale, et les vaisseaux, c'est ce qui va être primordial dans un premier temps. Donc je l'envoie en mission sur Uvena, faire de la diplomatie. Voilà, il est parti faire de la diplomatie. On voit qu'elle est neutre, il y a pratiquement autant de vert que de rouge. Lui, son but, ça va être de remplir le plus possible le vert. Et au bout d'un certain temps, le fait qu'il y ait plus d'opinions favorables à l'Empire va faire que cette planète va basculer de bon côté et je pourrai exploiter ses ressources. Voilà donc tout ce qui s'est passé sur le système Siswena, sur le secteur Siswena. Ah, on peut remarquer, ici on a le personnage qui est Nida, lui je vais l'envoyer sur la flotte, puisqu'il donc, aura son statut, il peut pas faire grand chose. Il n'est pas très bon diplomate, il a un bon charisme, il sait très bien combattre et faire de l'espionnage. Et il peut être plein de trucs pour le commandant, il peut tout faire. Par contre, il n'a aucune possibilité de recherche.
Étant donné que je sais que la cible prioritaire des rebelles, ça va être Coruscant, je vais l'envoyer en faction sur Coruscant, donc sur la flotte. Je fais un glisser-déposer. Voilà, il va arriver dans la flotte. Et après, je lui donnerai un niveau de commandement pour qu'il puisse rehausser le niveau de détection et pouvoir contrer le maximum de missions des rebelles. Voilà pour le secteur Sisuena, qui est enfin toutes les possibilités qui étaient à faire dessus sont faites, et après il va falloir qu'on aille voir sur les autres secteurs, donner des ordres aux troupes qui sont déjà présentes. Mais ça sera ça sur le prochain épisode. Vu que ça fait déjà 40 minutes que cet épisode est commencé, vous avez déjà pas mal de bases, et on va voir la suite au prochain épisode. Allez, ciao, ciao les gens, salut !